Alexandrie, le plus grand port de la Méditerranée. Une birème romaine accoste avec à son bord Alix. Rentrez les rames! Lancez les amarres! Ce jeune homme blond a l'air robuste. C'est Kara, occupe-toi de lui. Il fera une bonne recrue pour le Sphinx. À tes ordres, Karan. Ce jeune garçon a l'air franc. Il ne se méfiera pas du tout de moi. Je l'entraînerai où tu sais. Tu m'y retrouveras ce soir. Avec celui-là, nous aurons un esclave de plus pour le Sphinx. Souviens-toi de ce nom, Alix. Romula. Tu trouveras facilement sa villa. Il est très connu à Alexandrie. Que les dieux soient avec toi. Merci pour tout, capitaine. Et bon retour à Rome. Qui aura pitié d'un pauvre aveugle? Je me suis perdu. Dis-moi où tu veux aller, je vais t'y conduire. Dans le quartier des vieux temples, sur la gauche. Ouvre. C'est moi, Karan. Entre. C'est Kara, réveille-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce jeune étranger, il m'a assommé. Il devait se méfier. Bougre d'imbécile! Qu'as-tu appris sur lui? Tout ce que je sais, c'est qu'il s'appelle Alix. Il est venu à Alexandrie pour voir Romula. Romula, l'administrateur romain? Cet Alix est sûrement un espion. Va chercher un faucon. Il faut envoyer un message au Sphinx. Ainsi donc, Alix, tu arrives de Gaule. César t'envoie pour enquêter. Oui, Romula. En tant qu'administrateur romain, tu n'ignores pas que les agents de César se font systématiquement assassiner. Hélas, oui, j'ai eu vent de ce complot. Mais toi-même, tu me dis que tu as été agressé à ton arrivée. Oui, mais j'ai eu de la chance. D'ailleurs, je ne crois pas que cette agression fasse partie du complot. Nul ne sait que César m'a envoyé ici. Voici le seul indice dont je dispose pour mon enquête. Un des agents, avant de mourir, a réussi à faire parvenir cette statuette à César. Et Faoud, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Je l'ignore encore. Sais-tu où l'on peut se procurer ce genre de petite statuette? Dans le quartier phénicien, chez le vieux Josa. Demain matin, je t'indiquerai comment t'y rendre. La réponse du Sphinx. Il veut qu'on lui livre Alix. Faoud, non, ce nom ne me dit rien. Mais nous avons exactement les mêmes. Je les ai préparés. Romula m'a fait prévenir de ta visite, Alix. Enak, montre-lui. C'est une reproduction du sphinx du pharaon Amenemhat III. Veux-tu me l'acheter? Non, merci, Josa. Voici une pièce d'or pour ta peine. Merci. Alors prends-la. Si tous les clients étaient comme lui... Kara, que fais-tu ici? Qu'est-ce que tu manigances encore? Un conseil, vieil homme. Tiens ta langue, ou sinon... Ça, par exemple, faux aveugle. Alix! Enak, que fais-tu ici? Dis-moi! Moins fort! C'est Josa qui m'envoie. Tu es tombé dans un traquenard, Alix. Attention! Les hommes de Karan! Suis-moi, je connais cet endroit par cœur. Nous allons sortir par les toits. Personne! Il s'est volatilisé! C'est insensé! Fouillez ce sanctuaire, il faut absolument le retrouver! Il cerne le temple. Le fleuve, c'est la seule issue. Suis-moi, Enak. Là-haut! Alix! Tirez! Mais tirez donc!
se noyer. Inutile d'attendre plus longtemps. Là-haut, il en reste un. Mais je te connais, toi. Tu es le fils adoptif du vieux Josa le marchand. Qu'est-ce que tu fais ici, hein? Alors, tu vas parler, vermine? Par tous les dieux, il est mort. Il faut le faire disparaître. Toi, va le jeter dans le fleuve. On croira un accident. Ne traînons pas ici. Ils l'ont capturé. Sois prudent, Alix. Karan est un homme redoutable. Sans doute, mais Enak m'a sauvé la vie. Je dois le délivrer. Si à l'aube tu n'es toujours pas revenu, je préviendrai Romula. Ça, par exemple, un plan. Et Faoud est un temple, et voilà un itinéraire pour s'y rendre. Oh, c'est Kara. Tout va bien, Karan. J'ai voulu sortir prendre l'air sur la terrasse, et j'ai fait tomber un vase. Tu peux retourner te coucher. Désolé de t'avoir réveillé. Maladroit. Bon, maintenant retourne-toi et assieds-toi sur le lit. Alix, tu es vivant! Le jeune garçon qui était avec moi sur le toit, où est-il? Il est mort. C'est un accident. Il est tombé et son front a heurté une pierre. Je suis désolé. Enak. Mort. L'alerte! Un espion! C'est Alix! Attrapez-le! A échappé. Regarde ce que j'ai trouvé. Alix l'a perdu dans sa fuite. Le plan des Faoud. Il l'aura volé sur mon bureau. Enak, mon garçon, surtout ne te montre pas. Ce pourraient être les hommes de Karan. Alix, te voilà. Ça alors, Enak? Mais ils m'ont dit que tu t'étais tué en tombant sur une pierre. C'est ce qu'ils ont cru. Ils m'ont jeté dans le Nil, mais heureusement que l'eau froide m'a réveillé et j'ai réussi à me hisser sur la berge. J'ai mis la main sur des documents très importants. Apparemment, Karan est aux ordres d'un haut personnage qui se fait appeler le Sphinx. Oh, j'ai perdu un plan. Heureusement, j'ai toujours l'itinéraire pour se rendre au temple des Faoud. Romula doit prendre connaissance de ces documents, ou plutôt. Ton influence auprès du pharaon est grande, Amon. Tu peux facilement faire arrêter Alix. Le Sphinx saura se montrer reconnaissant. Tu sais, les choses ne sont pas si simples, Karan. Alix est citoyen romain. L'arrêter pourrait nous attirer de graves ennuis. Qui parle d'arrêter Alix? C'est toi, Amon? Romula, non... Silence, Amon. Moi seul peux décider de l'arrestation de quelqu'un. Je suis le chef des archers royaux. Quant à toi, Karan, méfie-toi, je te surveille. Viens, Romula. Nous n'avons plus rien à faire ici. L'affaire est grave. Passe chez moi ce soir. Je te montrerai des documents que m'a remis Alix. Ils prouvent que Karan fait partie d'une mystérieuse organisation, dirigée par le Sphinx. Un personnage très dangereux. Deux mesures d'or pour toi si tu m'aides à éliminer ce Romula. Toi ici? Que veux-tu? Te présenter mes excuses, Romula. Nos mages disent qu'offrir la lumière à un ami offensé efface l'injure. Je regrette le malentendu qui nous a opposés tout à l'heure. Je forme mes vœux pour que notre amitié ne soit plus troublée. C'est bien passé. Cette lampe a-t-elle vraiment un si grand pouvoir, Karan? Oui, pas un instant à perdre. Au galop, vite! Oh, Alix! Empêchez-les d'approcher! Romula! Un cratère?
odeur étrange. Alix, non. Alix, il est mort, ou bien prisonnier de Karan. Il faut que je le retrouve. Le temple des Faoud, mais oui. Alix, tu es vivant? C'est Karan et Amon. Ils ont fait sauter la villa. Buvons la santé du Sphinx. Il me nommera ministre. Mais au fait, Karan, quel est le secret de cette arme explosive? Tu poses trop de questions, Amon. Les archers de Senoris. Attends-moi là. Je reviens. Nous sommes prêts, Senoris. Amon et Karan ne peuvent plus nous échapper. Farouk, tu peux donner l'ordre à tes hommes d'attaquer. Tant pis pour Amon, il devenait trop curieux. Karan ! Où est Karan ? Là-bas, regardez ! Karan, il s'échappe ! Ne t'inquiète pas, Alix. Je vais donner des ordres. Il ne pourra pas quitter la ville. Josa a appris par un batelier qu'Enak était déjà en route pour le temple des Faoud. Je dois absolument le rejoindre. Tu vas avoir besoin d'aide, Alix. Amon ne savait pas grand-chose, mais il a parlé. Le Sphinx possède cette arme mystérieuse qui a servi à détruire la maison de Romula. Et Karan ? Introuvable, c'est incompréhensible. Toute la ville est bouclée. Mais que se passe-t-il ? Un convoi funéraire ? Étrange. À part les pleureuses, il n'y a personne. À croire que le défunt n'avait pas de famille. D'après ce que tu m'as dit, le temple des Faoud est à 3 jours de cheval d'ici. Par devant, il va me falloir du temps pour réquisitionner une troupe. Mes hommes te suivront à une journée de marche. Un convoi funéraire, c'est bon, vous pouvez passer. Qu'est-ce que vous cherchez? Un certain Karan. Bonne chance, Alix. Entendu? Qu'est-ce que c'était? Ça alors? Le mort! Plusieurs jours ont passé. Après avoir remonté le Nil, Alix explore les vallées montagneuses du Haut-Nil. Le temple des Faoud, enfin! C'est une véritable forteresse. Karan! Ce cher Alix, ainsi tu es tombé dans le piège. Inutile de t'enfuir, tu ne nous échapperas pas. Imbécile, il doit s'être tué! Il est ici, venez! On dirait qu'il est vivant! Il se réveille. Yenxi, va prévenir le Sphinx, il veut l'interroger. Le Sphinx! Laissez-moi seul avec cet étranger, j'ai à lui parler. Cette voix, je la connais. Viens avec moi, Alix. Je devrais te condamner à mort pour avoir découvert l'emplacement de ce temple. Mais tu me seras plus utile vivant que mort. Pourquoi te caches-tu derrière un masque? Décidément, tu es beaucoup trop curieux. Réponds plutôt à ma question. Acceptes-tu de devenir mon allié, oui ou non? Si tu refuses, je ferai de toi mon esclave. Je ne te répondrai pas tant que tu ne m'auras pas montré ton vrai visage. J'ai les moyens de te faire accepter mon offre. Regarde. Enak! Pas si vite, tu n'as pas encore tout vu. Tiens-toi tranquille ou j'ordonne aux gardes de trancher la corde. Ne faites pas ça! Non, tu as gagné. Je ferai ce que tu voudras, à condition qu'Enak reste sous ma protection. Enak, tu es sain et sauf. Alix! Qu'est-ce qui t'a pris d'embarquer seul pour le Haut-Nil? Tu avais disparu. J'ai cru que Karan t'avait enlevé. Alors je suis parti pour le temple des Faoud, mais le batelier était à la solde du Sphinx. Qu'est-ce que tu fais? Nous sommes prisonniers pour l'instant. Mais les hommes de Senoris ne doivent pas être loin. Ils devaient partir un jour après moi. Si seulement je pouvais les prévenir. Rien. Je me suis montré trop optimiste. Non, tu avais raison. Regarde là-bas. Là-bas, un signal. Vite, va prévenir le Sphinx. Attention, quelqu'un arrive. Voici pour ton ami. Quant à toi, Alix, suis-moi. Le Sphinx veut te voir.
Les troupes de Senori s'approchent du temple, Seigneur. Nos archers les ont repérés. Alors il est temps de jouer notre dernière carte. Demain, Alix nous débarrassera de Senoris. Mais avant, tu vas tester la loyauté de notre nouvel ami. Tu sais ce que tu as à faire. Attention, le voilà. Approche, Alix. J'ai une mission de la plus haute importance à te confier. Qu'est-ce que tu attends de moi ? Avant tout, je voudrais te montrer le secret de ma puissance. Suis-moi. Grâce aux deux Chinois, je possède le secret d'une arme nouvelle. Tu vois, cette galerie mène à une mine, où mes esclaves extraient des cristaux de salpêtre. Les cristaux de salpêtre sont broyés dans cette cuve pour former une poudre fine. Cette poudre fine est lavée plusieurs fois pour être débarrassée de ses impuretés. On la mélange ensuite à un minerai noir et à un autre corps dont je garde le secret. C'est ainsi qu'on obtient la poudre explosive. Tu as vu son efficacité. Rappelle-toi la villa de Romula. Comment as-tu recruté tous ces hommes ? Karan se charge pour moi d'intercepter les étrangers qui commettent l'imprudence de débarquer seuls à Alexandrie comme tu l'as fait. Par tous les dieux ! Que se passe-t-il, Karan ? Quelqu'un a voulu faire sauter la réserve de poudre. C'est un acte de sabotage. Heureusement, il a échoué. Un garde a aperçu Yensi dans le couloir peu avant l'explosion. Le traître ! Trêve de courbettes, Yensi. Où étais-tu juste avant l'explosion ? Je n'ai pas bougé d'ici, Seigneur. Tu mens, scélérat ! Je sais que tu complotes derrière mon dos, mais prends garde ! Fais à l'œil. Méfie-toi du Chinois, Alix. Il va venir te proposer une alliance contre le Sphinx. Tu dois refuser, c'est un piège. Cette explosion était un coup monté. Qui es-tu ? Je m'appelle Petrus, je suis Romain. Pompée m'a envoyé ici pour surveiller les agissements du Sphinx. Tu as dit Pompée ? Ouais. Farouk, enfin. Les hommes sont prêts, ils attendent en bas. Les troupes de Senoris encerclent déjà le temple des Faoud. Nous attaquerons à l'aube. On vient, cache-toi, vite! Là. Alix! Yensi, que veux-tu? Toi seul peux m'aider à renverser le Sphinx, Alix. Je ne veux pas qu'il utilise mon invention pour devenir le maître du monde. En Chine, nous nous servons de cette poudre pour illuminer nos fêtes de feux d'artifice, et non pour tuer des êtres humains. Qu'attends-tu de moi, exactement ? Que tu m'aides à détruire la réserve de poudre. J'ai essayé tout à l'heure, mais ma tentative a échoué. Non, désolé, mais je ne peux rien faire. Si je t'aide, le Sphinx tuera Enak, et je ne veux pas lui faire courir ce danger. Je respecte ta décision, Alix. Mais tu la regretteras sans doute un jour. Maintenant, fais monter tes hommes. Alix refuse de te trahir, Seigneur. Bien, parfait. Demain, je l'obligerai à aller trouver Senoris avec deux de mes hommes armés de bombes. Senoris ne s'en méfiera pas et s'en sera fini de lui et d'Alix. À l'attaque ! Allons-y. Nous devons trouver la réserve de poudre. Senoris attaque. J'ai donné l'ordre de barricader toutes les issues. Il nous prend de vitesse. File sur les remparts et tâche de repousser l'attaque jusqu'à ce que nous soyons prêts à lancer nos armes secrètes. Allez ! Attention ! Ces urnes ! C'est de la poudre explosive ! Posez-les à terre. Reviens, Alix ! C'est trop dangereux ! C'est Alix ! Tire sur lui, vite ! Va prévenir Karan et dis-lui d'ordonner un repli général sur la pyramide. Toi, prends 10 hommes avec toi et file à la réserve de poudre. Il nous faut des bombes. Allez-y, versez l'huile bouillante. Hurrah ! Ils prennent la fuite. Alix, c'est Yensi. Il a emmené Enak en direction de la pyramide. Suivez-moi. Attention, ça ne devrait pas tarder. En avant ! Seigneur,
Des hommes de Sénoris sont entrés par la brèche. Pas de temps à perdre. Replions-nous dans mes appartements. Yenzi nous y attend. Les esclaves, il faut les libérer. Vite. Et maintenant, il faut retrouver Enak. Et le Sphinx. Suis-moi. Enak, parfait. Il va nous servir d'otage. Où est ton compagnon, Yenzi? Je m'en suis débarrassé. Il voulait nous trahir. Enfilez ces uniformes égyptiens, ils faciliteront notre fuite. Verrouillé. Enfonçons-la! Plus vite qu'ils arrivent! Le masque du Sphinx, où sont-ils passés? Regarde, le bras du personnage est fendu. Allons-y. Que se passe-t-il? Alix! Au secours! Malédiction! Là-bas! La formule de la poudre. Bien joué, Enak. Dépêchons-nous d'ouvrir cette porte. Vite! Des hommes du Sphinx viennent de s'échapper! Alix demande du renfort. Le Sphinx, il s'enfuit! Arbacès! Il m'a encore échappé. Tu m'as dit connaître cet homme qui se cachait derrière un masque d'or et qui se faisait passer pour un demi-dieu. Arbacès, c'était Arbacès, un agent de Pompée. Il devait fabriquer des explosifs qui auraient permis à Pompée de prendre le pouvoir à Rome. Mais Arbacès l'a trahi. La tentation était trop forte. Quiconque possédait cette arme secrète était assuré d'un immense pouvoir. Et ce Romain qui t'a prêté main forte, comment s'appelle-t-il? Petrus. Pompée l'avait chargé de surveiller les agissements d'Arbacès. Il est sûrement déjà reparti pour Rome. J'ai donné l'ordre à mes hommes de faire sauter la réserve de poudre. Mais Arbacès a emporté avec lui la formule qui permet de la fabriquer.